bonjour Haïti, bonjour le monde et bonjour tout le super branché New York, tout le monde qui est toujours connecté sur la page amway.com à Olympus Media. Et bien, je dis à ce tout un plaisir pour nous entrer à la caillou, pour nous porter barou 14 jours après, comment ça y est dans la ville au caillou. Nous prenons, je dis à qui c'est jour qui était déjà projeté pour enterrement M. Gabriel Fortiné, qui c'est ancien magistrat et ville au caillou, et en même temps qui était ancien et sénateur département. Eh bien, nous trouvons exactement dans le lieu côté enterrement, les mêmes funérailles, la fête. Ça a déjà commencé, mais nous-mêmes, nous là, pour nous faire vivre comment ça y est et permettre qu'ils soient capables d'avoir une idée des funérailles, M. Gabriel Fortiné. Nous connaissons Gabriel Fortiné, c'est ton leader dans le département et sud-land, exactement dans Okaï et plusieurs autres envoisinantes villes Okaï. Eh bien, je dis à nous, pour faire vivre comment ça y est, comment déroulement enterrement M. Gabriel Fortiné dans la ville Okaï, dans le moment qui est dans le palais avec moi. Là, tu pas papier, fais-en pour nous connecter ensemble avec nous, partager information de nous. Comme ça, vous êtes capable toujours au courant de toute actualité dans le pays d'Haïti. C'est son horizon qui est parce que je connais les pays du levant et du puissant. Que mon Seigneur soit en transporté en avant. Bien dans ma rapport, la sentir puissant. Et au demain, tout est là, voilà l'argent gagné, ça va être capable de sauver. La cupidité, l'avarice ne nous mène nulle part. Les biens matériels ici, à qui rester ici-bas. Les mains vides, nous arrivons dans ce monde, et les mains vides, nous en repartons. Demandons à Jésus, notre Sauveur, qui a visité Marthe et Marie après la mort de Lazare, de visiter cette famille endeuillée, sa fille Christelle, ses amis, ses proches, et de leur apporter le réconfort nécessaire en ce moment de dure épreuve. Seigneur, accueille ton serviteur Gabou et donne-lui le repos éternel. Amen. Après avoir écouté la parole de Dieu, je vous invite à vous mettre debout pour professer notre foi en ce Dieu d'amour qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, et a été enseveli. Est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, et à la vie éternelle. Amen. Serve au salut des vivants et des morts, unis dans la peine. Prions ensemble. Pour sa part de travail à l'édition.
qui m'était, prions le Seigneur. Dieu dans l'impossible, je crois en toi. À toi, tout est possible, entends-moi. Pour chacun et chacune de nous qui partageons le poids de son départ aujourd'hui, et pour les liens qui nous rassemblent autour du dernier signe de sa présence, prions le Seigneur. Dieu, dans l'impossible, je crois en toi. À toi, tout est possible, entends-moi. Dieu, dans l'impossible, je crois en toi. À toi, tout est possible, entends-moi. Prions encore le Seigneur. Seigneur Jésus, répondre à leurs appels, toi qui vis pour les siècles des siècles. Plein de bonté. Fais qu'il trouve maintenant en lui le juge dont il n'a rien à craindre, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir l'oration de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Lui seul, en acceptant la mort, nous arrache à la loi de la mort. Lui seul, en donnant sa vie, nous fait vivre éternellement pour toi. Avec tous les saints du ciel, nous pouvons dès maintenant te rendre grâce en chantant.
servir en ta présence. Humblement, nous te demandons, en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité. Avec le pape François, notre évêque, le cardinal Chibri Langlois et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi, Seigneur, de Jean-Marie Fortuné que tu as appelé auprès de toi, puisqu'il a été baptisé dans la mort de ton fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Avec nous, il nous prie.
traverser beaucoup de circonstances. Nous sommes tous là pour te dire adieu et te rendre un dernier hommage. J'ai été très heureuse que tu me racontes quelques sous-changés moments de ta vie. Toi qui savais si faire avec si peu. Toi qui savais cultiver l'amour et l'amitié. Tu rendais ces moments si rares. Comment les oublier? Comment oublier l'ami fidèle et généreux, le collègue apprécié, le père si attentionné, l'accompagnateur aimant que tu as toujours été. Impossible, ta mémoire sera toujours gravée dans mon cœur. L'homme de référence, le géant dans l'ombre que tu es. Le géant de l'homme que j'ai fait mes premiers pas. Celui qui m'a appris patiemment tant de choses, qui m'a donné l'éducation et les armes pour affronter sereinement la vie. Toi, toujours positif, débordant nos sourcils, toujours à l'écoute. Mon cœur, lui, avec qui j'ai partagé tant de joie, qui m'a soutenu de tant d'épreuves. Papa, tu m'avais préparé à beaucoup de choses, y compris à accepter ton épreuve. Mais tu ne m'avais pas prévenu qu'il serait si difficile de t'accompagner à ta dernière de terre. Papa, je te remercie de m'avoir rendu si riche, non pas avec de l'argent, mais avec beaucoup d'amour, de tolérance et du savoir, de la sagesse. Nous sommes les filles. Nous sommes les filles de l'âme qui doivent leur douceur, leur beauté, leur maturité à la force des racines. Et ces racines-là, c'est toi, papa. Tu laisses un vide immense derrière toi. Papa, tu es toujours un bon conseil seul. Vérité, connaissance, l'esprit, beaucoup moins. C'est bagaille ou mettre payé chèque pour gagner. Mais pas jamais pour ça. Il est toujours un petit. Beaucoup moins n'a fait caillou tomber. Vos connaissances à faire sont faibles. Côté qui des connaissances qui escaillent au bon bagage qui coûte cher. Papa, nous aimons tout le monde. Nous avons un grand frère, toute famille. Papa, nous aimons un monde qui aimé en pile d'amour pour tout le monde qui est présent dans la vie. Papa, nous aimons. Papa, c'est des poissons. Papa, c'est des règlements. Papa, c'est des rêves. Papa, c'est des rejets de ta vie. Papa, c'est toujours parlé de vous et que c'est bien.
mourir. Et seulement abdomen et la baisse. Il faudra certainement très longtemps, toute la vie même, je ne t'oublierai jamais. Adieu, papy, et merci. Écoutez que je vous rectifie un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Je crois que ouais, elle a 17 ans. C'est la demoiselle de cette continuité. Et maintenant, la direction du protocole appelle Madame Michel Silviano, mère de Caille, pour cette relation française. Autorité du département du Sud. Autorités religieuses, policières, chers parents, chers amis, mesdames, messieurs. Nous célébrons en cet instant solennel ce qu'a été la vie de Jean-Gabriel Fortuné. Jean-Gabriel Fortuné, tu as fait l'histoire. Certains t'ont connu comme professeur à l'école de droit des Cailles. Tu as été le directeur au ministère des Affaires sociales des Cailles pour d'autres. Sénateur de la République, député, membre de commission présidentielle, délégué du département du Sud, maire de la commune des Cailles, un papa pour beaucoup, un conseiller, un éducateur, un ami, un professeur, un conseiller politique, un homme d'État. Ta vision dépassait la ville des Cailles. La péninsule du Sud va souffrir de ton absence. Jean-Gabriel Fortuné, ton corps, encore dans ce monde visible, et ton âme qui nous ouvre, qui ouvre les portes de l'au-delà, nous disent que tu as fait œuvre qui vaille. Tu sentais venir la mort. Tu sentais venir la fin. Quelques jours avant ce départ, durant une rencontre avec le conseil municipal des Cailles, tu disais très calmement que tu étais fatigué de vivre. Ça m'a fait là toujours. J'ai 60 ans déjà. Le sentiment vient aller. Très calme. Aujourd'hui, on peut dire que c'est la béatitude suprême pour toi. Puisque tu vas dans l'autre vie avec la satisfaction d'avoir été à la hauteur, d'avoir été à ta dimension d'homme d'État. Tu vas dans l'autre vie, mais tu laisses la collectivité territoriale d'abord. Tu laisses un vide. Tu laisses les mères qui n'ont rien reçu comme salaire depuis 20 mois. Tu laisses les Cailles sans voir la cité administrative que tu rêvais. Tu laisses les Cailles sans voir l'élection du marché que tu voulais pour les marchandes qui peinent à même le sol et dans la boue. Mais pars tranquille pour ce marché, puisqu'un partenaire à accepter de financer ce projet de marché, de construction de marché relais 2. Tu pars sans voir la gare routière que tu rêvais. Tu nous laisses ton courage pour continuer à lutter. Dans la vie où tu t'en vas après cette vie,
continue à veiller sur nous, puisque tu portes le nom de l'archange, archange Gabriel. Continue à présider à nos destinées de là où tu te trouves. Et nous y croyons fermement. Tu continueras à veiller sur Haïti. Tu continueras à veiller sur la péninsule sud. Nous célébrons ta vie. Nous célébrons la vie que tu embrasses aujourd'hui après cette vie. Et nos prières, nos pieuses pensées t'accompagnent dans l'au-delà. Et que toutes nos pensées te fassent arriver jusqu'au Père Céleste. Puisqu'il a plu à notre Dieu de t'appeler à lui, ce matin, nous allons remettre à la terre ton corps qui est à la terre. Puisqu'il a plu à notre Dieu d'appeler à lui Jean-Gabriel Fortuné, nous lui remettons l'âme de Jean-Gabriel Fortuné, puisque ton âme est à Dieu. Nous n'avons pas eu le temps de pleurer tous ceux qui sont partis. Nos cœurs sont fissurés, le cœur de tous.